Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Europa Universalis 4 avec mon camarade Sirica. Salut tout le monde. Allez, on reprend la partie, enfin la partie, le viol de ma gueule. Pourquoi Crintor? 26 000 hommes. Mais ils se bouffent de l'attrition, c'est l'avantage, mais. Et après, il va commencer à. Ou tu me les débarques si tu peux Ah, je suis pas en frère une seconde. condottiere en fait. Ouais, tu pouvais. Pourquoi? Parce que t'es en guerre avec une nation avec laquelle j'ai une trousse. Allez, je me tape un de perte de stab. Va te faire enculer l'anglais, j'accepte pas ton offre. Il me propose quoi? L'Océan Ayrshire. Alors là, il y a un pays qui m'a déclaré une guerre de coalition. C'est encore les connards de Saint-Empire, parce qu'ils vont péter les couilles au Saint-Empire. Putain, l'anglais, le français, c'est quand tu veux, quoi. Putain de connard de sa race maudite. De toute façon, le score de guerre, on va pas aller plus bas. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'au bout d'un moment, il va obtenir ce qu'il veut. Si je perds l'Archer et la Lothian, ça a sacrément piqué, quoi. Non. Oh! Ah, oh, fée blanche! Ouais! Ouais, fée blanche! On a perdu 134 000 hommes, il en a perdu 76 000. Et sur les 134 000, il y en a 60 000 qui ont été perdus par moi-même. Bon, ce qui compte, le plus important dans cette histoire, c'est que toi, tu t'es gavé de ton côté. J'aurais pas dû. Je t'aime une coalition. C'est ce qui compte. Ah oui, mais ça, c'est un détail, Ces ça. emmerdeurs du Saint-Empire là qui sont en train de Après, déblayer ça, la par contre, France. oui. Sais, c'est les mecs qui Dis, travaillent avec fais la paix, propose-leur un truc. Propose-leur un truc tout de suite, hein. Mets en pause si tu veux pour faire ta paix. Oh, l'Autriche, elle est là. Attends, je mets en pause si tu veux essayer les. de Vas-y. proposer une paix. Attends, je regarde. Qu'est-ce qui voudrait bien? Le problème, c'est qu'ils sont quand même vachement nombreux, je trouve. Moi, en fait, ce que je vous propose, c'est que je rends la Normandie, puis je rends les provinces à la Provence. Super, le traité de paix, super. Va te faire enculer. Donc là, j'ai une Il idée. y a quoi comme force? Oh putain. Un stack en Savoie, enfin dans le Lyonnais, 63 000 hommes. Ouais, je vois. J'ai deux choix, soit je fais péter les dents, soit je fais péter les dents. Bon, c'est quoi? Je vais faire péter les dents. Ah oui, parce que. Ah oui, parce que c'est vrai que le problème de la Provence est parti du Saint-Empire. Non, non, Ah! c'est que bah, ils disent ouais, t'es trop expansionniste, voilà, on va péter dedans, on va prendre ça, ça. Je sais pas pourquoi j'ai rien pris au Saint-Empire. Même la Provence est même pas du Ah, Saint-Empire. c'est pas. C'est lui qui trouve que j'ai pris une province de Comment? trop, là, j'ai pris Caux, ça leur Ouais. plaît pas. Donc je vais laisser bouffer d'attrition comme des débiles T'as des noms profonds. de taille en pas longtemps. Eh bien, c'est par contre. Putain, Ah c'est ouais, chiant, ça me fait chier, j'aurais pu faire une faut que alliance je leur avec fasse une l'Espagne. armée. Non, je vais laisser prendre La notre. dèche. C'est trop la dèche. Bon, j'annonce les gens. Alors, cet épisode, c'est Serigaï se fait péter le cul. Macrita s'est pété le cul. Et moi, je pleure ma mère à cause de l'attitude de guerre et les rebelles. Putain. Plus 158 de National Unrest. Le stack de 55. Ouh. On va claquer des points. Il faut une guerre à Saint-Empire On pour va foutre la claquer des merde. points. Oui, comment dire? J'aurais pas dû briser mon alliance avec la Bourgogne, j'aurais dû laisser la Bourgogne en allié, comme ça elle aurait pu taper une partie de la coalition. Une guerre franco-bourguignonne contre les Boches. Bon, on va laisser les mecs se bouffer la tradition comme des gros débiles profonds. Ouais, bah faut, hein. Il faut, ouais, tu regardes et tu te mets en stand-by. Par contre, moi, les vassaux, ils ont fait n'importe quoi. Tu sais, je leur Je ai suis en mis genre stand-by, je me gratte les associe-toi, moi. testicules à Mais Brest. les mecs, ils sont. Hey, les mecs, ils sont en liberty desire 24% et 29%. Lord, rejoignez-moi, fusionnez avec moi. Comment te Mes dire? troupes, rejoignez-moi. La Bourgogne déclare la guerre à Savoie et la Savoie me dit, faut que tu viennes m'aider contre la Bourgogne. Comment te dire, c'est pas le moment. Oh!
Oh putain, ouais, d'accord. Oh, ce bordel! Avec la Savoie, l'Angleterre est impliquée dans une guerre, sachant qu'ils sont en train de se faire des rebelles dans tous les sens. Mes vassaux, bande de connards. Non, on s'en fout, vous me kiffez déjà. Ah, si je peux t'annexer, toi? Oui, je peux t'annexer. Non, n'oublie pas que la France a gagné. Si la France a gagné, c'est deux fois mon rôle que les connards d'en face. Si la France réussit quand même à Okay. gagner, à exploser les clampins d'en face. Et si les clampins d'en face en plus perdent leur C'est quoi temps à les clampins défoncer qui la ont gagné cette Savoie. guerre, la France? Si les mecs perdent leur temps à défoncer la Savoie, moi je dis oui. Bon, moins 87, ça va être à l'eau toujours, hein, bon. La France qui dit ça va se faire foutre en plus. Oh mon dieu. Les Français peuvent venir chez moi en haut parce que c'est en haut que ça se passe là. Il faut venir m'aider. J'ai pas envie de perdre mon manpower pour des conneries. Ouf, allez, je rembourse un prêt et on étend les autres. Aïe, j'ai boîte matinale, j'ai mal. Me fais niquer. Oh, les rebelles, il y a le site, les hérétiques. Je me fais fumer l'anus là. La lassitude de guerre. Stabilité, on booste. Ah, c'est bon. Mon pays s'est fait over-défoncer, mais j'ai pas perdu de province. C'est l'avantage d'avoir la France en allié, c'est que l'Angleterre ne gagnera pas contre la France. Normalement. C'est sûr, à moins que la France soit vraiment de la merde. Et l'Angleterre. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'anglais, tu vois, il a 16 000 hommes chez moi, entre guillemets. Super, un cardinal qui est loyal. Comment dire? Les Français qui vont Hop, assiéger ok. Nassau. Je peux rien demander pour l'instant. Et les Français, si vous réussissez à assiéger Nassau, moi je vous dis oui, allez-y tout de suite. C'est le chef de guerre. Allez, Français, si j'ai Nassau, faut vite prendre Nassau là. Bon. Non, pas chez moi, s'il vous plaît. Pourquoi ils sont déloyaux, les nobles? Ils sont jamais contents. Et la France s'est ouvrir en deux par la moitié du Saint-Empire là. Enfin, par un tiers du Saint-Empire. Mais pourquoi y a tous ces petits pays de merde qui sont Vraiment, venus? là je t'explique le truc, ils me disent, ouais, il y a un événement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu claques des thunes, tu gagnes du prestige, on organise un bal ou est-ce que tu perds du prestige? Allez vous faire enculer? Mais en toute amitié, hein, faut pas mal le prendre. Ouais, je rembourse un prêt. De prêt. Ok. Ah tiens, le dé, il s'est barré. Oh là là, l'anglais. Oh putain, ouais. C'est où l'armée française? Ah oui, C'est d'accord, elle est en pété, train de se non? C'est balader. ouvrir en deux là, le Ok. pauvre. Ouais, je les vois là, ils sont en Autriche. Ouais, on va visiter. Oh. Aïe, ça pue pour ta gueule. Là, ils veulent quoi pour la paix? Bah que je relâche la Normandie puis que je rentre tous les provinces de la Provence. En gros, que ce que j'ai fait depuis le début, ça sert à rien. Ouais, mais ils veulent pas. Ils veulent pas que tu. Ouais, mais ils veulent pas comme une fois ma partie avec le pape où j'avais fait que la France avait donné Attends, juste les je pas. regarde ça. Ouais, la France elle donne champagne, elle donne Nemours, elle donne tout quoi. Ça va faire tribut, donc Genre champagne est clémé par la Bourgogne, par la Provence, par voilà, par Nevers. Ouais, peut-être je donne les provinces françaises aux autres. parce qu'ils veulent pas que je relâche la... Non, ils veulent que c'est moi qui paye, qui perde tout pour ma gueule. Là, mon lapin, ça pue pour ta gueule. En gros, c'est je fais tout mon fric et je Ouais, perds tout en fait. Ouais! Mais c'est n'importe quoi ces coalitions à la con là. comment dire? Allez vous faire enculer. Après, c'est quoi? C'est libérer les États ou rendre les provinces? Parce que si c'est libérer Non, la c'est... Ah oui, Normandie, c'est libérer la Normandie. Par contre, c'est rendre les provinces à l'autre connard de provençal.
Ah ouais, ça pue. C'est quoi? Ça pue, Lulu. Ben, j'ai pas le choix. Bon. J'ai pas le C'est la choix, voilà, merde. je perds. C'est la merde. Ici, en 1487. Putain! Putain de... Et j'ai plus d'armée, bien sûr, histoire de me faire chier, j'ai plus d'armée, j'ai des prêts à volonté là. Ah, mais ouais, t'inquiète, je viens de connaître ça. J'ai si j'ai de la manpower. Est-ce que la Normandie Et peut bien sûr, j'ai perdu devenir... mes corps sur la Normandie, bien sûr. Oui, ah putain. Bien ça, je leur déclarais bien la guerre pour Téhéran, Non, mais t'inquiète après pas. ça subit, quoi. T'inquiète pas. T'as pas du pognon, par contre? Non, mais sûr que non. Qui est pas contre. Est-ce que je peux pas raquer du pognon bourgeois? Si, allez, bourgeois, envoyez du cash. J'en ai besoin là. Faites pas chier. Je vais sécuriser une armée, une alliance avec l'Espagne, tu vas Oh voir. putain! Je me suis fait péter le fion! Mais c'est violent! Et moi alors? Et moi, 5 prêts, plus d'armée. Bon, j'ai réussi à faire... Enfin non, La j'ai France, fait donc je vais transférer mon trade power, mais va se faire foutre là, faut pas déconner, merde! deux. Lady, toi, tu vas être ma pute. Non, mais tu comprends. Les chances, c'est que si la Normandie, la France leur déclare la guerre, ou la Bourgogne, c'est eux qui vont Oh bénéficier du putain, truc. oui! J'aurais tout perdu! Et ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc qui pue, quoi. Non, parce que même là, faudrait qu'on arrive à faire un... La grande puissance de France a commencé à influencer cette nation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh! Je sais pas, Ah, mais on ça veut reçoit par dire que contre. je crois que c'est tout. La France a pris ma... La France a pris ma dette. Ils ont dit, tiens, je prends ta dette. Merci la France! Bon, ça, il me la prend quand il reste 50 ans. Et ça fait qu'on a un bonus de réputation, on kiffe la France. Il a pris ma truc, et moi, tu vois, les relations avec lui, c'est... Plus de 100 parce que pourquoi? Parce qu'il m'a pris ma dette. Plus 10 de réputation d'amitié. Quand t'es une grande puissance, ça qui est bien. Tu peux prendre la dette de tes vassaux. Viens, donne-moi ta dette, je m'en occuperai. On va alliance avec l'Espagne, y'a pas le choix. Pas la Castille. Ah bah ça va chier, j'ai avec la France et la Castille. Oh bah la France a pris en charge ma dette, merci la France. Ah, alliance franco-castillane maintenant. Bon, il y aura une reconquête de la Provence, tu vas voir d'ici peu. Oh, il t'a pris 79, cet Ouais, enculé. ouais, ouais. Voilà, on est alliés. Ah ben, je te dirais presque à mon lapin, on pourrait presque s'allier ensemble, vu qu'on a les mêmes alliés. On est alliés tous les deux, France et Oui, Castille. bah pourquoi pas. Ok. Allez, je vais avoir un petit malus. Moins un, mais c'est pas grave. Je pense Bam! qu'il y aura de la revanche ici, peu, mon cher ami. Exactement. La Provence est puissante ou pas? La Normandie claim sur ma gueule, putain. Il va falloir que j'attende 14 ans pour pouvoir tabasser les Normands. Putain, ça fait chier ça. Ah, ça m'agace ça. Après. Déjà, la première chose que je vais faire, ça va être de récupérer la Provence. Déclarer, faire une... je pourrais faire une guerre sans casus belli contre la Normandie, je me tape deux de stabite, la totale, tatati, tatata. Toi, tu le violes et tu... je t'invite que toi dans la guerre, tu le violes et tu prends les territoires. Si tu veux, ouais. Bon, j'ai autant d'hommes que lui, pourquoi pas. On peut faire ça comme ça si tu Mais veux. c'est risqué, hein. Ouais, Pour toi. mais. Pourquoi c'est risqué? Bah, tu t'as pas peur de perdre trop de stab? Ah, c'est pas grave. Bah, je remonte à plus 2, je peux. Par contre, j'ai pas de troupes, donc je te fais des troupes et je te les envoie en condottiers de tir et je t'aide à taper. Hein. T'inquiète, je refais une armée. Moi, de toute façon, c'est ma mission, faut que je vois. L'armée, quoi. Mon armée, c'est la loose. C'est 4000 pécores à Rennes, c'est tout. Et contre 4000 connards qui sont à Caen. À mort, le Normand! Pareil, Normandie-Bretagne. Hein. Le mec, il va se faire brûler. Ah! Parles à un breton, mec. Je sais.
Il me disait un pote qui était breton, il dit de toute façon, le Mont-Saint-Michel, il fait ses bretons, laisse au normand le temps qu'il le dessable, après il va revenir naturellement en Bretagne. Et il crachait sur les. Comment ça s'appelle? Crachait sur les Nantais. Alors que bon, comme je disais historiquement, Non, si c'est en tous les bons Bretagne. plats, si on regarde dans Europa Universalis, c'est voilà, c'est quoi la capitale de la Bretagne? C'est Nantes. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est quand j'étais allé au Puy du Fou, j'y suis allé, c'est un putain de parc, ça arrache le string, les Oui, gens. c'est classe. Par contre, c'est vraiment le putain de truc pro-royaliste, pro-pro. Ah ouais, j'adorais quoi. Parce que quand même, faut rappeler que donc je suis pas d'origine, je suis isérois. Et donc en Isère, quand même, l'Isère, c'est le berceau de la Révolution. Ah, t'as des navires de transport en fait? Ouais. Envoie-les-moi, s'il te plaît, en Ayrshire. Transporter mes troupes, on va les mettre sur la gueule à l'autre pécor là-bas. T'en as combien? 6. On fera deux voyages. J'habite, ben ça tombe bien ça. Pense à activer l'option pour que je puisse monter à bord. Et tu le mets, ouais, tu le mets là-bas. Activer l'option. L'option que tu montes à bord, attends. Mais c'est bon. Voilà. Comme ça, tu me débarques. Ouais, tiens, je vais te demander un military access pendant ce Ouais, ce que j'ai temps-là. peur, c'est est-ce que l'expansion agressive va pas remonter un peu sur ma, trop sur ma gueule? Non, c'est que moi qui n'apprends. Vas me débarquer chez toi. Ok. Dès que je prends le navire, déjà, ce serait déjà bien. YOLO! Bienvenue en Bretagne, Charmy. Parce que là, j'ai aucun moyen Je suis de. content, c'est un pays allié qui a pris en charge la dette. Je peux reclaquer du fric. C'est pas mal ce truc-là, parce que quand t'es allié avec un pays qui est pété de thunes. Suis allié, on est allié avec la troisième et la quatrième grande puissance. Ouais, ça va. Allez, viens, ramène ton bateau. Encore 4000 hommes à t'envoyer. T'es sûr que c'est nécessaire? Bon, après, si je veux péter la Oui. gueule à, pour la Maine et l'Anjou, oui, pourquoi pas. Mais les Anjou, je vais quand même pas. Je vais pas faire de guerre de guerre. L'avantage de la Normandie, c'est que c'est des Et pas, provinces au niveau j'éclencherai les 17 hostilités ou moi-même. 15 et qu'il a. Et il a pas d'alliés. J'éclencherai les hostilités moi-même pour la, pour le Maine et l'Anjou, t'inquiète pas. Ah oui, pour le Ménanjou, ouais, mais pour la partie, je m'occupe de la Normandie, moi. Ouais. Là, je prends mes troupes, les. Ouais, hop, allez, débarque. Par contre, qui se build, comment dire. Ramène la flotte. Ramène la flotte. Hey, série, active. Vite, 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 Hey, vite. c'est ce qu'ils font là. Ils arrivent, ils arrivent. Ma gueule. Oui, il y a un nom de bus, tes mecs. C'est la flotte bretonne, c'est normal. Hop, diplomatie. Ah oui, c'est que si tu fais, Pas de c'est diplomatie en toi Bretagne. qui fais le traité de paix. Tu vas prendre les provinces, tu vas les refiler, c'est ça? Et le pire, c'est que si les autres J'ai connards, par pas exemple, du d'argent. Saint-Empire, disent « Ouais, on fait une coalition contre ta gueule », bah ouais, bah venez là, venez là, venez! Venez me chercher. Ah, je t'ai invité. Ah, hey, les gars, on doit vous parler, les Normands. Viens me filer un coup de main. C'est à quoi épée. Espèce de pécor, va. Ou va débarquer à Co. Avec ta flotte, va te branler les couilles. Non, je peux pas passer par la terre. Ah, si, j'y vais. Oh non, putain, vas-y toi là-bas, va à Co. J'arrive, ils font le tour, hein, parce que bon, bah. Quoi, cette forteresse de débile? Ils font le tour parce que tu sais, bon, bah, il y a les forteresses, les mecs, ils font tout le tour de la France, là. Ouah, putain, je peux pas moi après. Tiens, dès que tu pourras m'envoyer entre 1000 et 2000 hommes en Bien Normandie, sûr. après. Dès que j'ai pris Co, c'est bon, j'arrive. Non, défonce, ouais, défonce les troupes à Co, ouais, c'est ça. Ils font tout le tour de la France, les mecs, hein. Ouais, normal. Bonjour Et ça, messieurs. même si tu me les renvoies. Et l'avantage, c'est qu'il fallait leur déclarer la guerre vite, comme ça, ils n'avaient pas d'alliés. Ouais. Et avant que quelqu'un d'autre leur déclare la guerre, surtout. Oh, c'est à quoi? Bon, tiens, envoie-moi la moitié des troupes. Hashtag Bourgogne par exemple. Ah, super, comme ça. Ouais, exactement.
C'est toi qui as prévu tes temps de parade, c'est pas l'autre qui va venir de l'autre côté. Ok, et c'est la fin de cet épisode. Par le Bourgogne, la trousse avec la Bourgogne Donc est voilà, finie. sur ce, les gens. Ouais. Sur ce, on vous dit bye bye et à demain pour la suite de la série. Salut Allez, tout le ciao tout le monde! monde!